verye ete biso to zwa esengo. To pamboli yo to komisio. To ebe ete tango to sangani awa satana pe aye. To zaliko pambe la ko benga na mosa misala nyoso a satana. Milimo nyoso a mabe. Oye zaliko lari saba to pongina tango aliroba. Oye zaliko zon sama kantina biso na makabwa mokili. Na kombo na Yesu. To zaliko benga na satana to zonkise bisika uka uka. To dimete kolo yo siliko yoka. Muketo bondeli mingi za ipana yo. Kukosala tako leka oto bondeli na kombo na Yesu. Kolo na bisope mokonzi tolobi. Amen. Tofandi na kombo na Yesu. Prenons place et nous la tofandi. L'église aussi. Alléluia. Amen. 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 La concernant la protocole pour la conserver, pour la sima makasi. Je demanderai au protocole de bien surveiller derrière. Bah on y a sur base la protocole, tu vas pas, bah la moni va placer à bas pour ça la va y accoufler. Ceux qui ne font pas l'accueil, venez vous asseoir, il y a des places vides. Na concernant la bayembi. Je demanderai aussi au chantre. Na sima koyemba ezal obligatoire ta comme malibanda besike zali bofandi. C'est pas obligé de sortir jusqu'après de chanter le chantre. Alléluia. Amen. Kufana nesika okino mumbra zamba kolba zamba pambo labino. Restez conseillé jusqu'à ce qu'on vous bénira et vous sortirez. Amen. Amen. Tuibi ke tozana ite mulunge zali. Nous savons qu'il fait chaud. Alléluia. Amen. Motona mokilia sepela kanelo kote. Lui-même c'est ne prend pas plaisir en toute chose. Soki malili malili leki. Si c'est froid, c'est trop froid. Qui molungue, molungue, les. Et si à la chaleur, ils disent que c'est trop chaud. Alléluia. Amen. 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 Ah, waneza lulenge la moto. C'est l'homme, c'est l'humanité. Alléluia. Amen. Tokoti siko la katna malaki sinabiso. Nous entrons dans le vif du sujet. Toko salamwa rappel mouke ko ute bandeli. Nous allons faire un rappel dès le début. Tolo bakete toko solo la pona makambo misato. Nous allons parler de trois choses. Nous allons parler de bâtir l'église par le Saint-Esprit. Et nous allons aussi parler des œuvres du Saint-Esprit dans l'église. Et nous allons aussi parler du Saint-Esprit dans les hommes. Le premier jour, nous avons entendu. C'est Dieu qui envoie. Lui qui est descendu. C'est lui qui est descendu sous terre. Et celui qui a été élevé et monté au ciel. C'est lui qui prend. C'est lui qui donne le ministère. Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit. Verset majeur, on a vu ce salaki, Ephésiens chapitre 4, verset 8 à 14. Nous allons parler d'Ephésiens 4, 8 à 14, nous n'allons pas les lire. Que tomande aponakaba sakoli. C'est l'apôtre qui choisit le serviteur, le pasteur. Sambende abini sakana kat na batoma. C'est Dieu qui suscite parmi les apôtres. Kobimi sababateli. Les bergers, Kobimi Saba Sakoli, les prophètes, Kobimi Saba Pasi Salomalamu, les évangélistes, et Kobimi Saba Lakisi, et les docteurs, les enseignants. Bona kati na musala na moko na moko, et dans le ministère de tout un chacun, Zamba Pesi moko na moko likabo na molimo osantu, Dieu a donné de tout un chacun un don du Saint-Esprit. Que demande ayaka ko pose fondement na ye. Et c'est l'apôtre qui vient poser son fondement. Voilà le but de ça ko fonder, de ça ko poser fondement na biso liko na Yesu Christo. Paul a dit que nous fondons notre fondement sur Jésus-Christ. C'est lui qui viendra mettre à côté, c'est un anathème. Alléluia. Amen. Quand il fait sortir le berger, il a la puissance de protéger, de berger, de garder. Il a aussi ce don-là de chasser les esprits et de prier pour les malades. Il a aussi parlé du prophète. C'est le commandant général. C'est lui qui part au front. Aller chercher les païens et les amener à l'église.
Dans cette œuvre-là que Dieu l'a donné, Dieu l'a donné aussi les capacités. On a place à Zakokende, là où il parle l'évangéliste. Il a le don aussi de guérir les malades. Il a aussi le don de faire des prodiges et des miracles. Et le Saint-Esprit aussi est en lui. Alors, qui pour la balakisi? Et pour les enseignants, il les a donné les dons d'enseigner. Dans les enseignements que l'Église remplisse, et l'Église aussi grandisse. Même si c'est un enseignant, Dieu aussi l'a donné aussi cette capacité de prier pour les malades, de prier aussi les miracles. Et pour le prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est là où Dieu pose les paroles pour ne pas séparer, pour ne pas détruire. Dieu met la parole pour mettre l'église en garde, pour bénir l'église, et pour mettre la paix dans l'église, pour construire en fait l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Le deuxième vous c'était hier. Verset la mission de base Zalaki Jean et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 qui nous l'a 11. Le verset clé c'était 1 Corinthiens 12. Verset 4 qui nous l'a 11. Le verset 4 à 14. À 11 plutôt. Alléluia. Amen. Voilà tomona qui l'olengi à makabo na moni momo santu libwa. Là, nous avons vu les 9 dons du Saint-Esprit qui opère dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons voir ces dons-là. C'est bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parmi tous ces dons-là qu'on a cités, on avait les paroles en langue, l'interprétation des langues, la foi, la parole de sagesse, le discernement, le prodige et le signe. Nous avons des miracles, diverses paroles venant de Dieu. On a appris cela hier pour que l'église puisse aller de l'avant. Alléluia. Amen. Aujourd'hui c'est notre dernier jour. Nous allons le don du Saint-Esprit, comment il agit dans l'homme. Alléluia. Nous courons derrière les temps. Nous allons dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Missala Batoma, chapitre 2, verset 1. Qui est en bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Amen. Lingal. Tangi na kombo na Yesu. Mutuna mokande lobi boye, koya na molimo mosantu. To tangi na en. Wana esila ki mokolo na tuku mitanu koya. Bajala ki nyoso elongo na esika moko. Lokito ebimi na likolo kwasa. Lokola lokito na kopepa na mopepe makasi. Etondi sinda komobimba. Kuna efanda ki bango. Ndemo lokola moto emonani na bango. Ekabwani efandi moko na moko na moto na moto na moto. Na bango. Bango nyoso batonda ki na molimo mosantu. Pe babanda ki kosolola na kota mosusu. Pe la moko molimo apesi bango maloba. 5. Bayuda bajalaki wana na Yerushalemi. Mibali na kukumi sanzambe
na mabota nyoso na mikili nyoso na fe. Amen. Alléluia. Amen. Na basi to yoki pesar l'ertir na biso malam. Nous avons bien écouté l'ertir. Awa to yoki ezalaki na batoma bazalaki na Yerusalem. C'est les apôtres qui étaient à Jérusalem. Na sima na Yesu Kristu komata na likolo. Après que Jésus-Christ soit élevé, Yesu ayebisaki na batoma ete. Il nous a laissé cette parole. Alabi boume na la kati na Yerusalem. Demeurez à Jérusalem. Bosale loko mokote. Faites rien. Kinonguya ko uta na likolo. Jusqu'à ce que la puissance viendra du Saint-Esprit. Sango kotoli sama na kati na bino. Là il vous remplira. Dena sima boko bima. Et vous sortirez. Bona tira na kokele ko panza sa o malamu na lala mokili mobimu. Pour aller répondre la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Basala kinoko la biso to zali lelo. Ils étaient comme nous ici. Bimelo bina mbala moko nguye uta ki la likolo. Tout un coup il y a une pluie puissante du ciel. Et kitali na bangole place basala kina ndaku na likolo. Pour la fuir remplir là où ils étaient dans cette maison. Bimelo kiti makasi pesa. Il y avait de fortes bruits. Bimelo limo mo santa komi kosala kati. Et le Saint-Esprit a commencé à opérer à tout et chacun comme il voulait. Il commençait à parler de nouvelles langues. Chacun parlait comme le Saint-Esprit le déversait le don. En ce jour-là, il y avait aussi des juifs. Beaucoup de juifs dans Jérusalem. Quand ils ont entendu ce bruit, ils sont venus voir qu'est-ce qui s'est passé. Chacun attendait comme si on lui parlait dans sa langue maternelle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. C'est le jour où le Saint-Esprit va demeurer à cette occasion. Comme il est descendu le jour de Pentecôte, il descendra aussi sur toi. Si tu ne parles pas en langue, aujourd'hui tu vas aller parler. Si tu n'as pas les dons, le long samba copé sur les cabos, Dieu va déverser ses dons sur toi. Les cabos montés sur la carte là, tu dois avoir ses dons. Mettez nous ça ensemble et tenez les bosses. Pour l'avancement du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Continuez comme un amoli, mon santo. Vous serez poussé par le Saint-Esprit. Continuez tes bosses à quoi la lilo balanzame. Et vous poussera à évangéliser la bonne nouvelle. Ayez quoi la sima la Yesu kokende. Après que Jésus fut. Basala qui a moins sans mon mouké. Ils avaient ce frayeur. Même si quand on a arrêté Jésus-Christ, Pierre même régnait Jésus-Christ. Mais quand le Saint-Esprit fut descendu, devant ces gens-là que Pierre avait régné Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, il a enlevé cette frayeur. Pour évangéliser. La Bible dit en 3000 personnes en un seul jour il y a eu 3000 convertis et ils étaient baptisés. Alléluia. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, il y a quatre choses qu'il ne doit pas avoir. Alléluia. La première, la peur. La peur. Tu ne dois pas avoir la peur. Celui qui a le Saint-Esprit, tu dois enlever la peur en toi. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, même si il y a la mort de Jésus, tu ne vois pas la mort. Tu vois la gloire de Dieu qui t'a envoyé pour faire son œuvre. Pierre n'a pas eu peur de la mort. Mais il s'est levé pour évangéliser. Alléluia. Amen. Il s'est levé pour prêcher la bonne nouvelle. Devant ces gens-là, il y a eu peur qu'on pourrait les tuer. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de prier pour les malades.
celui qui a le Saint-Esprit. Dans cette chambre-là, il est en service. Lui, il rentrera. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mais si en toi, tu as encore la peur, cela veut dire qu'il n'a pas encore la place. Alléluia. Namukanana Josué chapitre 1 verset 6 à 7. Josué 1 verset 6 à 7. Josué 1 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Jala makasi peyikampiko po ete okotuki sabato oyo libula na mokili mosimbaki ngai ndai na batata na bango ete na pesa na bango ojala bobele makasi peyikampiko mingi bona kokeba kotosa mibeko nyonso oyo Mose mombo na ngai alakela kiyo pengwa na yango epai na loboko na mobali to na loboko na mwasi te na tina ete ojala na makila malamu soko wapi okikenda yo. Alleluia. Amen. Zala na makasi. Sois fort. Kobanga te. N'ayez peur. Pote musala epesameli na yo. C'est œuvre ton donné. Yako evangelize ba flama ba walon nyonso. Allez évangéliser tous les Belges de la Féminis. Longola kobanga. Enlevez cette peur. Yesu ebisi na Yosua. Jésus a dit à Jésus. Na sima ya loi ya Moïse. Après la mort de Jésus. Et pour que Yesu a mission pour la kokota libota na sambe la moka na eklaka. Vous devez prendre cette mission pour amener le peuple de Dieu en Canaan. Josué comment la grandeur et la mission. Jésus envoyant cette mission. Il a eu la frayeur dans ce temps. Mais Dieu est venu encore le fortifier. Il a dit sois fort. Ne pas peur. Ne tremble pas. C'est toi qui feras cette œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es rempli du Saint-Esprit. Enlevez la peur. Enlevez cette peur. La bonne nouvelle doit sortir de ta bouche pour les païens qui sont restés de se convertir, de venir à Jésus-Christ. L'esprit de la peur doit quitter ton corps. Alléluia. Cet esprit de frayeur va te quitter. Celui qui a le sang ne doit pas avoir cette chose. Il sait qu'il va s'enlever. Tout problème qu'il va rapporter, il s'appelle solution. Tout problème s'appelle la solution. Même si je trouve la mort, même si je trouve la malade, même si les esprits solution, c'est la solution. Il n'y a pas peur en lui. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a l'assurance. Il ne tremble pas. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne tremble pas. Il affronte toute chose. Parce qu'il est sûr. Il sait que son Dieu agira. Il a la confiance de son Dieu. Même si les gens ont échoué. Même si les gens ne parviennent pas. Mais dès qu'il arrive, ils doivent avoir une solution. Alléluia. Amen. Ils doivent avoir une solution. Aujourd'hui, tu dois remplir de cet esprit. Même si dans ta famille,
famille. Pendant que tu cherches la solution, dès que tu débarques, solution, mon Dieu, pèsama. Et tu amènes la solution. Solution, mon Dieu, pèsama. Tu vas avoir une solution. Parce que toi tu es rempli du Saint-Esprit. Je vous ai donné une puissance à tous ceux qui vont me recevoir de guérir les malades. Ils sortiront les serpents, cela ne sera pas. Ils vont boire des breuvages mortels et ils ne mourront pas. Tu as cette chose en toi. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, enlève juste la peur. Enlevez la peur. Vêtez-vous de foi. Le Saint-Esprit est avec vous. Il est avec vous. C'est vrai que Dieu t'a donné. Jésus-Christ a tout, tu as tout. Une chose doit se passer pour que les gens sachent que tu as Dieu. Si tu n'as pas encore prié pour le malade, va essayer pour un malade. N'ayez pas peur. Va. Pour tu verras la main de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Pierre a enlevé cette peur. Il est descendu vers les Juifs. Ceux qui ont crucifié Jésus. C'est pour cela les apôtres n'ont pas eu peur de la mort. Si vous lisez dans la Bible, la manière qu'ils sont morts, il y a ceux qui étaient décapités. Ils étaient en prison. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, même si vous regardez, il y a un autre qui continuait toujours à évangéliser. Parce que ce n'était plus eux. C'est pour cela que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Tant que Jésus vit en toi, tu n'as pas la peur de la chose. Tu as la confiance de ton Dieu. Tu as l'assurance de ton Dieu. La façon dont je me suis, je n'ai jamais échoué. Jésus n'a jamais échoué. Et celui qui est en moi, son nom c'est la victoire. J'irai avec lui et je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Au nom de Jésus, je vaincrai. Parce que lui il est en moi. Il est en moi. Tu dois vaincre. Parce qu'il est à toi. Qui est en toi? Quel esprit as-tu reçu? Paul a dit, on n'a pas reçu l'esprit de la timidité. Alléluia. Nous devons le lire. Dans 2 Timothée chapitre 8, verset 1 à 7. 2 Timothée 8, 1 à 5. Chapitre 1, verset 7 à 8. 2 Timothée, chapitre 1, versets 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est le Bible. 1 Timothée, 2 Timothée, 1, 7 à 8. 2 Timothée, 1, 7 à 8. Amen. Et tout qui est la combo naïs. Tangi la combo naïs. Poète, Nzambe a pesa kibiso molimo, nakobanga bangate, kasimolimo nanguya. Nabolingo pena komikanga motema. 8. Boye oyoka soni pona kotatola kolo na biso te pe pona ngai te mokanga mina ye kasi omema ndambo na yo na pasi pona sango malamu pela moko nzambe akopesa nguya. Hallelujah. Amen. Molimo nini yo si
Quel esprit as-tu reçu? Quel esprit as-tu reçu? L'apôtre Paul a bien dit. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Nous n'avons pas l'esprit de tremblement. Nous n'avons pas reçu l'esprit. Quel esprit as-tu reçu? Quel saint esprit as-tu reçu? Si tu as reçu celui qui est écrit dans le livre de 2 Joël 28, si tu as accompli dans le livre de Actes des Apôtres 2, verset 1 à 5, cet esprit n'est pas un esprit de frayeur. Ce n'est pas un esprit de frayeur. Tu as reçu une puissance. Tu as la puissance de toute chose. Il a bien dit dans sa parole. Je vous ai donné la puissance. Tu marches avec une puissance qui est plus que la puissance de magicien. Qui est plus que la puissance de magicien. Qui est plus que la puissance de sorcier. Qui est plus que de sorcier. Tu as la puissance de toute chose. Tous tremblent devant toi. Quel esprit as-tu reçu? Alléluia. Quel esprit as-tu reçu? Il nous a donné la puissance sur toutes choses. Sur tout problème. Sur tout problème. Allez. Je vous ai donné la puissance. Chassez les esprits mauvais. Ressuscitez les morts. Que les stériles puissent accoucher. Que les malades guérissent. Toutes sortes de souffrances guérissez-les. Vous les ferez en plus grand nombre que moi je fais. Alléluia. Amen. Quelle puissance as-tu reçu? Aujourd'hui, tu dois recevoir l'Esprit de Dieu. Tu dois recevoir l'Esprit de Jésus-Christ. Celui qui enlève la frayeur en toi. Alléluia. Nous allons voir la deuxième chose. Ce qu'ils ont à permettre de recommencer la mission. Et si Dieu permettra, nous allons le permettre. Parce que nous courons derrière le temps. Dans Romains chapitre 1 verset 16. Dans le livre des Romains 1 verset 16. Romains 1 16 nous lisons. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Lingal. Poete, Nayoki Sangomala Moussonite, Yango Ejalinguya Nzambe. Kobiki sabandi minyoso. Alléluia. Bayuda libosope baela lokola. Poete moyenge benena nzambe. Eboni sami polele katina yango. Alléluia. Boyenge bene yango bokobi makana kondima. Tokobenda kakino kondima lokola esili koko mama ete. Moyenge bene akotika pona kondima. Alléluia. Akobika pona kondima. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Paul a bien dit. Je n'ai pas honte de l'évangile. La puissance que j'ai reçue, ce n'est pas la puissance de la honte. De livrer les captifs. Pour guérir ceux qui ont perdu. Pour donner la guérison à ceux qui même dans ton travail. Je n'aurai pas peur de évangéliser. Parce que la puissance que j'ai reçue, ce n'est pas la puissance de la honte. Alléluia. Amen. Protocole, surveillez, madame. Protocole, veuillez surveiller les enfants, s'il vous plaît.
La puissance que j'ai reçue, même dans les arrêts de bus de métro, je n'aurai pas honte que les gens me verront. Parce que cette puissance enlève la honte. Si vous avez encore honte, de proclamer le nom de Jésus-Christ, il n'appartient pas encore à Jésus. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, ceux qui auront honte de moi, moi aussi j'aurai honte d'eux devant mon Père. Alléluia. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a pas la frayeur. Il n'a pas la honte. Pour proclamer le nom de Jésus. Même dans votre famille. Même si on parle mal de vous. Même si on se moque de vous. Je n'aurai pas cette honte. Je vais prêcher l'évangile du Christ. L'esprit qui est en moi. Il touchera même un parmi eux. Il va se convertir. Et le nom de Dieu sera élevé. Alléluia. Amen. Tu as honte de prêcher Jésus-Christ dans ta famille. Même s'ils savent comment est-ce que tu es né. Comment est-ce que tu es. Connaître tes faiblesses. La puissance que tu as. La possibilité d'évangéliser. N'ayez pas honte, bien-aimé. Parce que la puissance que tu as reçue, ce n'est pas une puissance de honte. Pour la vie, je n'ai pas honte. J'aime beaucoup cet homme. Parce qu'il a fait vraiment des œuvres très importantes. Mais je n'ai pas honte. Je veux évangéliser. Et pas la Balouba. Chez le Balouba. Et pas la Batetela. Chez le Tetela. Pas la Bakongo. Chez le Bakongo. Et pas la Baswahili. Chez le Baswahili. Et pas la Bikolonios. Chez toutes les nations. Et pas la Lindele. Chez le Blanc. Et pas Batumidu. Le Noir. Bosonios. Toutes tes couleurs, je prêcherai le Évangile. Je n'aurai pas honte. Alléluia. Amen. Parce que en nous, même pour prêcher un blanc, tu as honte. L'esprit que tu as, il n'y a pas complexe de fériorité. Ouvre juste ta bouche et dis seulement. La puissance est très de toi, elle touchera ses temps, et ils viendront en Jésus-Christ. Fais juste le pas de parler. Parle. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. Va. Va prêcher. Et tu verras la main de Dieu. Et là, tu sauras que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Et tu sauras que Dieu est avec toi. L'ongola kuban. Ayez la peur. Enlevez la peur. L'ongola son. Enlevez la frayeur. L'ongola son la kat. Enlevez la honte à toi. Mon Christ, un chrétien. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais aux alentourages. Il n'est pas au même pas de Jésus-Christ. Tu ne peux pas fermer ta bouche tant que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est comme un fou. Partout il va parler de Jésus-Christ. Même dans ton travail, même dans ta famille, même en transport, même dans la vie, quand il raconte quelqu'un, la première chose qu'il te dit, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce qui doit sortir en nous qui ont le Saint-Esprit, la bonne nouvelle. Apportez la bonne nouvelle. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Dieu, il est avec toi. Et il fera cette œuvre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Quand il est descendu, la Bible dit,
Ils sont partout. Oh, il y a ceux qui sont passés à l'est. Oh, l'ouest. Il y a ceux qui sont passés à l'ouest. Nord. Oh, et les autres sont partis. Même s'ils étaient emprisonnés, dès qu'ils sortent, ils continuaient toujours leur chemin. Ils continuaient. Même si on le frappait, ils continuaient toujours dans leur voyage. Ils n'ont jamais reculé. Parce que cet esprit ne recule jamais. Alléluia. Amen. Même si les jeunes gens étaient devenus aveugles, mais à ça, comment la révélation côté par lui, ils attendaient, ils voyaient toujours des révélations. Peut-être poursuivre qui mission qui l'a suivi. Ils ont poursuivi leur mission jusqu'à la fin. Oh, à ça, la molime me sent. Celui qui a le Saint-Esprit affronte la situation. Il affronte toutes sortes de situations. Les apôtres n'ont pas eu peur. Mais avant de recevoir cet esprit, quand ils ont enfermé Jésus, ils étaient tous éparpillés. Alléluia. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils voyaient même plus personne devant eux. Même plus la mort devant eux. Ils avançaient, ils évangélisaient. Même s'ils arrêtaient l'autre dans un pays, ils viennent aussi dans ce même pays. Et ils vont évangéliser. Ils avaient plus la frayeur. Ils avaient plus la peur. Ils avaient plus la honte. C'est le Saint-Esprit qui les dirigeait. Tu dois avoir cet esprit. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Que Dieu nous donne une autre place. Nous avons arrêté pour ne pas avoir le problème avec notre prophète. Alléluia. Amen. Lève-toi là où tu es. Je veux que le protocole ferme la porte. Que chacun puisse avoir sa propre place. Même si vous êtes malade. Même si vous êtes malade. La combo na Yesu Telema. Au nom de Jésus, lève-vous. Telema na combo na Yesu. Lève-vous au nom de Jésus-Christ. Na lingisem vo ya malamu ya molimo mo sot. Je veux un bon cantique de Saint-Esprit qui va mener l'église à prier. Toute personne qui ne parle pas en langue, aujourd'hui tu dois parler en langue. Celui qui n'a pas ce don-là, tu dois le recevoir. Aujourd'hui c'est notre dernière journée. Tu ne sortiras pas comme tu rentres. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Pendant qu'on envoie les cantiques du Saint-Esprit, si cela te pousse à prier, commence à prier. N'ayez pas honte, bien-aimé. Et ne fermez pas ta bouche. Laisse que le Saint-Esprit puisse agir. Il pousse fort comme il veut. Laisse-lui son espace. Laisse-lui sa place. Ta vie va changer. Ta famille va changer. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu vas amener le sang, la parole, la bonne nouvelle dans ta famille. Dans ton travail. Partout où tu passeras. Aujourd'hui c'est ton jour. Solo quita, guarda nuestra mente.
commence à prier, invoquez le Saint-Esprit de Dieu. Commencez à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Invoquez-le. Invoquez-le. Que remplisse le Saint-Esprit. Que remplisse le Saint-Esprit. Que déambulez par ses pensées. Oui. Ouvre ta bouche. Ne restez pas tranquille. Invoquez-le. Oui, au nom de Jésus. Descends en ce moment. Descends en ce moment. Touche ton père. Touche ton père. Touche ton père. Touche ton père. Descends en ce moment. Descends en ce moment. Touche ton père. Descends du Saint-Esprit. Touche ton père. Touche ton père. Descends. Descends. Touche ton père. Agis. Agis dans ton père. Qui remplissent Il est en train d'agir. Il agit. Il est à côté de toi. Il agit. Il guérit. Il délivre.
Sur chacun. Que le Saint-Esprit soit avec à chacun. Qui continue à agir à tout un chacun. Jusqu'à leur maison. Qui ne vit pas une seule chose. Qui ils seront. À partir de ce moment. L'esprit de la frayeur. Je l'ai enlevé en eux. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de la honte. Les a quittés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi Satan. Je te chasse. Devant le peuple de Dieu. Prends tes bagages. Prends tes fardeaux. Quittez dans les enfants de Dieu. Et allez dans le Nazaré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu. Qui est descendu au jour de Pentecôte. Celui qui est descendu à la chambre haute. Sois vêtu à tout un chacun. À partir de maintenant. Il y a un changement dans vos vies. Il y a un changement dans la vie de tout un chacun. Ils ne seront plus les mêmes. Il n'y a personne qui est passé à la croix. Restez le même. Il n'y a personne qui l'a fait. Il est resté le même. Il te rencontre. Ceux qui ne te rencontrent pas. Et
te rencontrer. Changement la vie là-bas. Tu dois avoir un changement la dans la vie. Au nom de Jésus. Ma porte à la banque. Leur famille. Et Kango la vie. Soit délivré. Pistola la banque. Leur travail. Et Kango la vie. Est délivré. Bassote la banque. Leur corps. Et Kango la vie. Est délivré. Mibongo la banque. Leur commerce. Et Kango la vie. Est délivré. Nossu la banque. Tout en eux. Et Kango la vie. Est délivré. Balé la banque. Leurs enfants. La Kango la vie. Sont délivrés. La Kango la yes. Au nom de Jésus. 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 Au niveau de Satou. Saint-Esprit. La Kango la mort. Bâti tout à chacun. Marche avec un homme. Avec quelqu'un. Ouvre les oreilles aux yeux de l'esprit. Voir ta gloire. Remplis-le de foi. Remplis-le de foi. Puisse voir ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez nos mains et commencez à vous. Alléluia. Alléluia. Nous voulons faire un service juste pour préparer l'œuvre de Dieu. Mais nous allons risquer que soit la clé mabé que vous êtes par ensemble. Si tu regardes cette œuvre d'un œil, tu risques d'être maudit. Mais ce que tu as la liste sur la molime que soit les pambolico. Mais si tu regardes par l'œil spirituel, tu seras béni. Aujourd'hui, Dieu va nous donner à nos jeunes le service. Comme il avait donné à Jérémie. Jérémie a dit à Dieu. Je n'ai pas la bouche pour parler. Mais là où tu m'envoies. Comment est-ce que je parlerai? Il a dit à Jérémie. N'ayez pas peur. Va seulement. Celui qui se lèvera contre toi. Il va me rencontrer Dieu. Celui qui va te combattre. Il va me rencontrer Dieu. Je t'ai envoyé comme un petit enfant parmi les grands. Mais toi fais le service que je t'ai envoyé. Je serai avec toi. Jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu va nous donner à nos enfants le service. C'est encore des jeunes, ils grandissent. Si tu vas les obéir dans l'œuvre que Dieu va nous donner. Et tu vas te battre contre eux. Tu vas les prendre comme des serviteurs. Tu seras béni de Dieu. Mais si tu as si tu le vois comme un enfant, parce qu'il n'a pas une parole devant toi, tu es une grande personne, tu auras un problème avec Dieu qui va leur donner ce service. Amen. Amen. On va réformer l'équipe de protocole. C'est des jeunes qui vont prendre à partir d'aujourd'hui ce service. Mais pour l'attendant, papa Willy a fait Paolo va encadrer Baron qui a prévatiqué Baron. Et pendant un temps, papa Willy et frère Paolo vont les encadrer. Après, c'est eux qui vont s'occuper du protocole. Alléluia. Amen. Peut-être la possède fait la vision Paolo là que la média pour la consommer vraiment m'a dit. Donc, frère Paolo va vraiment s'occuper du média. Il va abandonner le protocole. Deuxième la possède la papa Willy le col à Paka pour la côté. Donc nous avons besoin de papa Willy pour s'asseoir aux places des anciens.
et laisser les enfants faire cette œuvre. Mais pendant un temps, ils seront dans leurs mains pour les enseigner, les montrer. Et ce qu'on a établi comme protocole dans cette église, comme de Jérémie, sœur Nabiso Beat, nous avons notre sœur Beat. Elle va s'approcher. Sœur Nabiso Shana. Shana. Sœur Nabiso Janine. Notre sœur Janine. Et sœur Nabiso Mariana. Et notre sœur Mariana. Bangonde basimbi musala protocole. Et c'est eux qui vont s'occuper de tout ce qui est protocole. Bazali banamike. C'est des jeunes qu'on vous voyez. Mais bazali pakola milanza. Mais ils ont l'option de Dieu. Ce que koto sabangone sika bakopesa yo fanda. Si tu obéiras à la place qu'ils vont vous accorder, yo kozala lipamboli libosola. Et tu seras une bénédiction parmi eux. Et ce que comme la bangolo kola bana. Si tu le vois comme des enfants. O sali lokolo nyote zamoboti. Tu fais comme un parent. Mais tu auras un problème avec leur Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour eux à Genève-vous. Votre Père qui est au ciel, Jésus-Christ. Nous laissons encore ces jeunes entre tes mains. Nous avons prié dans leur jeunesse. Ils grandissent. Le monde est devant eux. Il y a des problèmes devant eux. Mais je suis rempli de joie. Je n'ai pas peur et je ne tremble pas. Parce que l'esprit qui les a vêtus. Est plus que l'esprit qui est dans le monde. Il est plus que l'esprit qui est dans nos familles. Toute personne qui se levera contre eux. Il va te rencontrer. Et toi, Dieu, celui qui agira comme bon le semble, il se rend béni de toi. Je demande à l'ange du ciel de les protéger dans leurs études, dans leurs entourages, dans leurs familles. Tu vas les protéger. Aujourd'hui, ils sont choisis comme des protocoles. Demain ils seront de évangéliser dans toutes les familles. Et ton nom sera élevé. Yo Satana. Toi Satan. Je te détruis. Quitte leur corps. Au nom de Jésus. Toi qui combats la puberté. Dans le nom de Jésus. Je te chasse. Quitte le. Laisse leur vie. Laisse leur vie. Dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit remplit leur corps. Le don du Saint-Esprit soit en eux. À partir de maintenant, ce n'est plus eux, c'est toi qui agis en eux. Tu vas combattre pour eux. Tous ceux qui vont ouvrir les yeux contre eux, ton doigt est à eux. Ils me rentrent dans leurs yeux pour les rendre aveugles. Ils seront bénis de toi. Ils sont les sources de vie. Au nom de Jésus. Et nous disons comme un Amen. Amen. Dimanche prochain, le dimanche prochain, vous prenez le service. Sambe apambola moko la moko. Dieu bénisse tout et chacun de nous. Amen. Nous allons tous nous tenir debout pour donner des offrandes et des dîmes que nous avons apportées pour notre Seigneur. Mettons-nous tous debout au nom de Jésus-Christ pour donner des dîmes et des offrandes. Nous vous prions tous au nom de Jésus-Christ de vous tenir debout. Chantons, alléluia, le fait, 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 le fait,
epeli toyemba alleluia moto epeli moto lefe etali aujourd'hui lefe etali aujourd'hui lefe etali aujourd'hui chantons alleluia lefe etali be chantons alléluia lefe etali be oh que ton fait seigneur il en moi que ton fait ya ya il en moi brille 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 en moi il est bon Jésus est bon et il est bon il m'a sauvé il est bon et il est bon Jésus est bon et il est aïe 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 alléluia. Amen. Nous demandons à notre maman Tekla de prier pour les offrandes et les dîmes. Zali malam, mosusi lokola azali tata. Tala bolingo na monene nzambe, bana na yo bakokisi liloba na yo nzambe. O lobaki ete boya na ndako na yo maboko pambate papa. Nzambe baye pe babonzeli yo nzambe ni Israel. Pambola moko na moko ati loboko na ikati na kitungo nzambe. O ya zangi ya sola azali kolela papa pe pesa ye lisusu. Tanga akozwa nzambe ya kwa kopesa ipa na yo. Tikete misolo ye peto la mana makila na yo. Pe bomba ma na maboko malamu. Tozali ko kanganguya nyonso. Ozali ko limu sa misolo na kombo na Yesu Kristo. Tobaki bisikabika uki. Mbombele makila na yefinika misolo papa. Esala musala malamu na kombo akolosi musa miso. Amen. 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 Alléluia. Prenons place s'il vous plaît. Avant que nous passions à nos communiqués, nous voulons d'abord recevoir ceux qui sont ici pour la toute première fois, s'ils sont là, qu'ils se tiennent debout pour que l'Église de Dieu puisse le recevoir. Soki toko lingana ya solo, alléluia toko mo kembo na Yahweh. Soki toko lingana ya solo, alléluia toko mo kembo na oh kembo kembo ah. Solo tokomo kembo na Yahweh. Amen. Notre bien-aimé, nous sommes dans la joie de vous recevoir parmi nous. Je ne sais pas si vous savez nous suivre. Peut-être vous êtes anglophone et nous avons des anglophones aussi qui peuvent traduire sans problème. Amen. Nous sommes dans la joie de vous recevoir parmi nous. Nous aimerons connaître votre prénom et par qui vous avez pu nous atteindre dans ces lieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Après le culte, vous aurez un petit entretien avec l'homme de Dieu qui vient de nous prêcher la parole de Dieu. Notre église est faite par Konzami Malam, vous reçoit avec joie. Ici, nous n'avons ni eau, ni mouchoir, ni huile, rien de tout, rien que la parole de Dieu, comme vous nous avez attendu. Si vous mettez cela en pratique, Dieu sera avec vous. Amen. Amen. Nous recevons maintenant notre sœur Rachel pour les communiquer avec acclamation au nom de Jésus. Passons à nos communiqués. Tout d'abord, je tiens à rappeler le programme hebdomadaire de notre assemblée. Nous sommes là tous les vendredis de 16h à 18h pour notre culte d'intercession.
C'est un culte qui permet à toute personne qui a des problèmes, qui a des soucis ou même qui a un ardent désir de prier, de venir et se réunir avec nous. Donc c'est de 16h à 18h et nous sommes en état de jeûne lorsque nous venons à ce culte d'intercession. Après le culte d'intercession, il y a la répétition des mamans. Donc les mamans répètent le vendredi. Ensuite, le samedi, nous avons la répétition du groupe de louanges à partir de 16h. Et les papas aussi répètent le samedi à cette même heure. Notre culte dominical, c'est tous les dimanches à partir de 10h jusqu'à 13h. Donc nous demandons vraiment à tout un chacun d'être ponctuel et de venir à l'heure. Notre deuxième communiqué s'adresse à toutes les personnes qui veulent se faire baptiser. La Bible déclare que celui qui croira et sera baptisé, c'est lui qui sera sauvé. Donc toutes les personnes qui ne se sont pas encore fait baptiser ou qui ont reçu un baptême qui n'est pas biblique et qui souhaitent se faire baptiser, veuillez donner votre nom, nous faire parvenir votre nom pour que nous puissions vous inscrire pour la séance de baptême et organiser les enseignements qui seront donnés par les pasteurs, les évangélistes, les serviteurs de Dieu qui sont en ce lieu. Le troisième communiqué, c'est un communiqué qui concerne des enseignements qui seront donnés par le pasteur Jean-Claude Ochoudi, qui commenceront le samedi 6 juillet 2022. Et le titre de ces enseignements, c'est le privilège du service. Ah, 6 juillet s'est passé, désolé. Oui, ça sera à partir du samedi 6 août 2022. Donc ça commencera à partir de 16h. Et le titre de ces enseignements, ça sera le privilège du service sacré. Donc ce sera donné par le pasteur Jean-Claude. Venez nombreux et soyez ponctuels. Le quatrième communiqué, c'est que le dimanche prochain, donc le dimanche 31 juillet, toute l'église sera chez Sœur Fatou pour célébrer la naissance de son petit garçon. Donc toutes les personnes, la Bible nous dit de vraiment vivre dans l'amour. Donc dimanche prochain, après le culte, nous serons chez Sœur Fatou pour célébrer la naissance de son bébé. Le cinquième communiqué, cela concerne les mamans et toutes les jeunes filles. Donc il y a culte de maman ce samedi 30 juillet et ce sera chez maman Yvonne. Donc pour celles qui n'ont pas l'adresse de chez maman Yvonne, veuillez vous rapprocher auprès de maman Yvonne qui peut faire un petit coucou. Donc maman Yvonne est là, donc demandez l'adresse à maman Yvonne. Le culte de maman, ce sera ce samedi 30 juillet chez elle à partir de 14h. Donc toutes les mamans et les jeunes filles sont priées de se rendre chez maman Yvonne. Et c'est tout pour les communiqués. Et le samedi 30 juillet, il y a aussi la réunion des jeunes ici en ce lieu à partir de 16h. Donc on va s'organiser avec la répétition du groupe de louanges qui peut être un petit peu décalé pour permettre à ce que nous puissions faire notre réunion, notre rencontre des jeunes à partir de 16h ce samedi 30 juillet. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous demandons à tous les comités qui ont des communiqués à faire passer à l'église de bien les donner au pasteur Papi plus tard samedi. Parce qu'aucun communiqué ne peut être publié dans l'église aussi longtemps que lui, le pasteur de direction, n'est pas au courant. Amen. Que tous les communiqués se donnent plus tard samedi soir. Vous lui appelez et puis lui va instruire. C'est lui qui va donner des communiqués pour faire passer ces communiqués. Amen. Amen. Les communiqués suivants, pour préciser, le groupe de louanges, la répétition commence à 18h. Donc, les jeunes ont tout le temps de commencer les réunions, je crois à 16h. Et puis à 18h, le groupe de louanges peut continuer, commencer ses répétitions. Ce sont les mêmes jeunes qui sont dans le groupe de louanges. Donc, je suppose que tout le monde sera là déjà à 16h. Amen. Nous sommes déjà arrivés quasi à la fin. Je ne sais pas si nous n'avons plus de communiqués. Nous allons tous nous tenir debout pour clôturer notre culte. Mobimba na bolo Yesu kamati.
mata mata mote mana ya solo yo sopona ezalia yo zambe cela kama ina mabe na ngoluna yo sopona yo sopona yo ola yesu yo sopona yo merci na oyo salerie sona mukola lelo lokola liloba na yo lobeko ya yakepana yo azonga kipamba te toyakina mikumba toyakina kolela toyakina pasi tozwi kimia tozwi esengo tozwi lobiko tika ete komona ye kuma maisanzo la mana oyo salerie sona toyambi puissance ko te pana yo kolo oye kososolisa biso mpona kosala malamu mpe koboya mabe merci nzambe mpona kokokisa Mukano na oli kolona bomo ya moko na moko. Otiki bozongi na bisungu maboko na yo papa. Batela bana na yo sunga maboko. Tokotambola na biloko esalemi na maboko ya bato. Tika ete yo kamba biso tokoma na bandako na biso na kati na kimia. Semene oyo tozali kobanda totiki na maboko na yo. Batela biso mokonzi na kokamwa. Kino tokokuta na isusu vendredi na isika oyo mpona lokolo na yo. Kanisa bana na biso bazwami na bakonje. Basusu batali na misala. Oko batela bango, oko batela bao nyoso wa swami bako zala na barandevu, oko sunga bao nyoso bako zala na misala, tika ete kembo na yo, pekimia na yo, ele kata komona na likolo na bomo ina moko na moko. Totele meli nyoso wa satana, misala nyoso wa moini, nguya nyoso wa milimo mame, oye zaliko zongi sabiso na makapo wa mokini, oye zaliko longo la biso kati na nzela na yo, totele meli yango na kombo na yesu, topa meli to bengani yango to zongi sebisika ako kauka. Tika ete zambi uza la mo ikimelo na biso. Yesu masia, soko kozonga lelo, soko kozonga lobi, kobosa na biso tena bokonzi na yo. Tobondeli muke mingeze ipana yo, na kombo na yesu, tulobi. Amen. Amen. Liboso mosali anzambe apambola lingomba tozali koyebisa lingomba ete papa na biso abengami na Kinshasa pona 55e anniversaire ya lingomba a kelelo je pense que dans deux semaines semaine dimanche à les 6 dès les 7 tukozana na elongo. Amen. Nanda kona yo kobosa na teta ngozali kobondela kobondela pepo na papa na biso. Amen. Topepi likolo topepi zala nesengo Osili kolata molimo mosanto za komela mapamboli na sengo pepa Nzambe apambola moko na moko na biso Yamba pesa muninga nombote na kombo na Yesu Sere mbote mbote na Yesu Frere mbote yo 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 Oh
Commando, commando, Tolanda Masia, commando, my commando, 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 Banganga Lanzambe, commando, 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 Tolanda Masia, commando, Tolanda, yes, Tolanda, Tolandi, Nanye, Tolandi, yes, Sekle, Eyana Yesu, Eyabunene.